Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle run sur Binding of Isaac Rebirth. La dernière fois, on s'était fait une run avec Eve, mais j'ai refait une run tout seul et je suis allé jusqu'à Satan sans faire le cœur de main. En fait, j'avais pris une shovel et je suis arrivé jusqu'à Satan. Vu que j'avais envie de faire Satan et pas Utero. Donc après, là, on va faire une nouvelle game avec Samson. Alors, présentation de Samson. Il a 3 cœurs, il a 2 de vitesse, il a 1 d'attaque, mais il a un objet qui s'appelle le Bloodlust. Le Bloodlust, c'est en fait, à chaque ennemi que vous tuez dans une salle, ça vous donne des points de dégâts supplémentaires. Mais c'est valable que pendant la salle. Donc on va tout de suite commencer avec Samson. Ah oui, et à la fin de la vidéo, je vous montrerai à la fin que j'ai débloqué avec Eve. Nice cet objet. Donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez le fond, parce que moi oui. Regardez, là normalement je suis déjà à 2. Ouais, je suis à 2 points. Et là je suis à toujours 2. C'est 2 ennemis, une barre je crois. Ah non, même pas. Ça dépend en fait. Je serais pas vraiment dire exactement. D'accord, et il commence avec une pièce également. Donc ce personnage normalement sera plus facile que le précédent. Qui était autre que Eve, sera plus facile normalement. Mais Eve, vous ne la verrez plus jamais la faire en vidéo. Hein. Il faut vraiment que je sois concentré au max pour pas me faire toucher. Hein. Sinon, c'est dur. Ou sinon, c'est très long. Très. Après ce personnage-là, il ne restera que 2 personnages à faire, parce que The Lost, je ne vous le ferai jamais en vidéo. Je préviens, jamais il ne sera sur une de mes vidéos. Ou alors, j'essaierai peut-être un jour, mais ça va être vraiment très dur. Et qui, on se fait toucher une seule fois, on a perdu, donc très dur à faire. Il faut vraiment que je sois le plus concentré possible. Je pense que franchement on ne fera pas une centaine de vidéos de Binding of Isaac, on en fera sûrement une trentaine. Ce sera déjà suffisant. D'accord, de la vitesse d'attaque, le truc que j'ai pas besoin. Enfin, pas besoin. J'aurais préféré autre chose, j'aurais préféré des dégâts, je sais pas, un patagramme. D'accord, je sais pas si c'est worth it, enfin on verra bien. Regardez, là, normalement là je suis à 3 barres. Je suis à 3 barres de dégâts. Et là je suis toujours à 3. Et normalement ça monte de façon exponentielle. Enfin, pas exponentielle, je veux dire, il n'y a pas de limite à que ça augmente, ça va jusqu'à la fin de la barre quoi. Il me faut une clé. Une clé. Si j'ai détruit ce rocher, est-ce que j'aurai une clé? Non, j'aurai une bombe troll. De bien viser avec ce bordel. Pourquoi je tire de ce côté là? C'est bon. Vraiment que je prenne l'habitude de bien viser. J'ai une bombe. Alors, la salle secrète peut se trouver ici. Elle peut se trouver ici. Ou en haut. Je sais pas, moi j'envisage ici. Eh ben non. Fromage. Ça va être chaud déjà que j'ai loupé une salle. Bon alors par contre c'est très intéressant ça, les tirs perçants sur ce genre d'ennemis. Parce que ça leur fait des dégâts sur toutes les zones en fait. Ah, speed dommage up. D'accord. Et là j'ai combien de dégâts? Je suis à 4. Alors là, oui, où je dis oui, là. Bon. Ça va être galère, ça va être galère. Enfin, non, pas tant que ça, mais... Voilà, j'ai envie de dire ça va être galère, donc je le dis. Ah ouais, non, je suis à 3 de dégâts, je me disais aussi, c'est trop, 4 c'est trop. Ah non. Là, je suis à 3, là, je passe à 3, toujours. Toujours pas 4, non, pas de 4. Désolé si je regarde rapidement dans les menus hein, comme ça. Enfin. Outlock. Oh non, pas ces araignées.
Heureusement que je les tue rapidement. Parce que c'est une vraie catastrophe. Il faut que je le dise, il faut que je me prenne un coup, bien entendu. Comme ça, de toute façon. Palol, range down, pourquoi pas? Est-ce que la salle secrète peut être ici? La salle secrète peut être ici, on va tester. La salle secrète est ici, c'est bon. C'est nice, j'ai accès à la salle au coffre. Oh, alors là, je dis oui. Mais à fond. 4 de dégâts de base, des HP up. Que dire de plus? Enfin, que demander de plus surtout? La range. Voilà ce qu'on peut demander de plus. Comment je me fais toucher par cet ennemi de base? Et bien sûr, j'ai une clé maintenant. On va la garder pour le prochain étage. Tant que j'ai pas une deuxième clé, on va la garder. Voilà, en parlant du loup, la deuxième clé là. J'ai le choix. On va faire le boss en premier lieu. Ah, ah, j'ai cru qu'il y a eu un crash, mais non, c'est bon. Il y a eu juste eu un petit freeze. Ça doit sûrement venir de mon PC. Là, je suis à 4 d'attaque, je suis à 5 d'attaque. Non, toujours pas à 5. Il faut que je tue de plus en plus d'ennemis, c'est ça? Là en tuant 5 je monte d'un niveau ou pas? Est-ce qu'en tuant 5 je monte d'un niveau? Niveau dégâts je veux dire. Non, même pas. Pas du tout. Une carte de tarot, le monde, pourquoi pas, je le garde pour la prochaine zone. On va utiliser une clé ici. On va utiliser ça. On descend. Ça me tente bien ça de les d'exploser les champignons. On va juste exploser ceux-là. Lemon Party. Avec tes petits caca s'il te plaît. Que je fasse de plus en plus de dégâts. Non, tes petits caca, j'ai dit, tes petits caca. Ah voilà, ça. Mais par contre, il faut que t'en invoques plus. Tu seras mort avant. Ah non, par contre, là, la vitesse, elle est un peu grande, quoi. What? Attendez, comment ça se fait? C'est parce que j'ai pris un dégât, ça? Maintenant, c'est basé sur les dégâts, c'est ça? Le Necronomicon pour un cœur. Oh, allez, on prend. C'est 6 charges, mais c'est pas grave. Ça peut être très utile contre une grande zone de mob hein, qu'on va garder par exemple. On va utiliser The World. Ça, moi je sais où sont toutes les zones. Salle d'arcade, non, il y en a pas. Le boss est tout en bas, c'est pas grave. Il n'y a pas de grande zone dans cet étage. Ah mais non, je fais de la merde, je vais perdre à cause de mon cœur que je viens d'utiliser bêtement. Ah, pourquoi à chaque fois je fais des mauvaises décisions? C'est n'importe quoi quand même. Fais attention moi. Voilà. Non, non. Voilà. Là j'ai pas d'HP. De dégâts up, je comprends pas pourquoi en fait. C'est plus je tape un ennemi ou quoi que ce soit, c'est ça? C'est différent que dans la version. La première version? Enfin, je comprends pas là. J'ai jamais encore testé sans son sur cette version. Ah! Spelunker Hat, ça c'est bien! Ah d'accord, c'est pas les lunettes X-ray. Dommage. Dommage, dommage.
trouver. On reviendra le prendre après, si jamais on survit, bien entendu. Ouais, c'est bizarre. Hein. Je comprends pas. Les gars n'augmentent plus. Bizarre, bizarre. Oh, bien sûr. La bonne blague. Oh, la Pretty Fly qui est bienvenue. Je dirais. Je vais pas dire non à ça. C'est quoi la barre? C'est une trinket, non? J'ai pas vu trinket pourtant. Ici. Ah, c'est une carte, ouais. Bon, je vais pas utiliser. De toute façon, j'ai pas de bombe, donc ça c'est fait. C'est fait, c'est réglé. C'est emballé. Ça va, ils sont pas trop chiants ces mobs là. C'est plus simple encore. Mais pourquoi là j'étais. Putain, je comprends plus rien. Je comprends plus rien. Oh, tu sais quoi, genre. J'aime pas ces mobs. Ceux-là ils sont plus simples, mais. Mais. Je comprends pas. Ou alors c'est mes dégâts tout le temps, c'est mes dégâts tout le temps ça. Non. Si. Ah, c'est peut-être sur l'étage en fait. Et puis sur la salle. Ah, ce serait nouveau ça. On n'oublie pas de revenir en arrière pour chercher le cœur spirituel. Est-ce que je suis tout le temps full dégâts là? D'accord, je savais pas ça. Donc maintenant c'est sur l'étage complet. Mais c'est très bien ça, c'est très très bien. Voilà, donc je finis à 5 réceptacles. On a combien de temps? 10 minutes, on est à cave 2. Bon, c'est la moitié des étages à faire, pourquoi pas. Un petit mini-boss ici. Je sais pas comment je fais, j'ai fait pour le voir, j'ai la map ou quoi? Non, j'ai pas la map. Non, j'ai pas la map. Bizarre. Ça va être très très bien pour mes dégâts. Mais non, je suis pas censé être à 3 dégâts là. Ah si, si, c'est dégâts de base, pardon, j'ai rien dit. Quand je commence à devenir de plus en plus rose, c'est que les dégâts augmentent. Donc quand j'arriverai rose pour la première fois, normalement les dégâts augmenteront un peu. Je sais pas si ça compte comme. Ouais, non, ça a pas l'air de compter comme des ennemis. J'ai rien dit, je prends des dégâts à fond. Voilà, donc je commence à devenir. Mon tas commence à devenir un peu plus rose. On va aller chez l'ermite. De toute façon, j'ai assez pour rien là pour le moment. C'est juste pour se dépêcher d'aller ici. Ah, nice, robot baby. J'ai jamais eu encore dans cette version encore. Ah, là au moins ce qui est bien c'est que j'ai le piercing shot donc je tire derrière eux. J'arrête de regarder les dégâts comme ça. Enfin les dégâts que j'ai. Ok, il y a une bombe là-bas mais il faut une bombe. Très astucieux mon cher Watson. Je sais c'est élémentaire mon cher Watson à la base mais bon. On peut se faire des kiffs non? Pas la troll bombe, non merci, j'en ai pas besoin. Bon, allez. Voilà. On prend les salles secrètes. Ça c'est la salle secrète et la salle hyper secrète. Qu'est-ce qu'elle veut nous réserver? C'est tout le temps du bon matos, la salle hyper secrète, hein, donc je me plaindrai pas. M'en doutais que ça allait être ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. On prend ces bombes là. Voilà. Ah, le boss, je sais pas où il est, je le vois pas d'ici.
Normal que je vois pas d'ici, je suis con moi. J'ai pas la carte. Non, je me suis pas fait avoir cette fois-ci. Les dégâts supplémentaires. Oh mais non, mais non, là c'est... Je me prends tellement des dégâts inutilement, un dégât par ça, c'est... Il me faut obligatoirement le holy shield là. Ah, là j'ai pas encore monté de dégâts, ça va pas tarder. Ça commence déjà à changer de couleur. Bon là je dois être... Je suis toujours à 4, d'accord. Swallow the Peli, je sais pas... C'est quoi son effet? Je ne sais pas. Le boss est donc ici. Et là les dégâts commencent à devenir un peu plus gros. Le boss est ici, on va descendre. Je veux cliquer. Oh mais non. C'est pas vrai. En fait on dirait c'est juste que quand je me prends des dégâts c'est en fait. C'est bizarre. Oh non, pas ce genre de salle. Si c'est en prenant des dégâts maintenant, bah, c'est le truc qui est pour moi quoi. Ok. Justement quand je dis ça, je prends des dégâts. Ouais, ça a l'air d'être les dégâts pris en fait. J'ai juste un demi-cœur. Ah oui, mais non, mais... je suis con. J'irai les prendre après. Et voilà, le boss. Trop difficile. Toujours plus d'HP. Le Necronomicon qui m'est très très utile. Par là-bas, juste ici. Hop, hop. Donc là j'ai 6 coeurs. Je vais garder au moins 2 bombes, je les mets au pif. Ça marche pas. Les autres bombes je les garde pour plus tard. Allons faire le boss. Enfin, on a déjà fait le boss. Ah non, à l'étage suivant, pardon. D'accord. Destu, j'ai aucune. D'accord. Ah, très très bien ça. J'ai véritablement l'impression que c'est les dégâts que je prends. Voilà, comme ça, tout le temps. C'est peut-être qu'une impression, mais. Je comprends pas, je m'en rappelle plus, je vois pas. C'est un cœur complet, j'ai un demi-cœur, je vais garder. Ça, c'est une chance d'avoir un objet. Une carte de tarot, le joker. Non merci. Non merci, je vais pas là-bas. Toujours pas trouvé la salle secrète. Ça c'est la salle. Ouais, secrète. Ah, et bien sûr, je fais le mongol, comme d'habitude. Ah bah alors, on est déçu que je puisse passer comme ça. Alors là, que demander de plus. Trop de dégâts. C'est des boss très très simples en plus. Enfin, lui il est simple. A voir les deux autres. Monstro. Là il faut... Je sais pas ce qu'il me faut. Normalement je peux faire plus de dégâts mais... Il faut des larmes plus grandes. Ok, ça marche comme ça, je savais pas. Ah si, je savais, mais j'avais zappé. Ouais, j'ai oublié la salle.
Oh, flûte. C'est pas bon, ça. C'est vraiment pas très très bon, mais c'est pas grave. Bah où ça? Il n'est autre que Mam. Et avant, salle secrète. Bien sûr, plein de cœur. Ah, c'est une Mam bleue. Qui va se concentrer sur les invocations aussi, je pense. Ah non, sur les frappes de pied, je crois. Si je ne m'abuse. C'est bien ce que je pensais. Ah non, c'est, elle fait juste des invocations d'extorsion, je crois. C'est ça son truc en plus. Oh non, mais non, mais non, mais non. Alors là, par contre, plus de dégâts, c'est pas possible. J'ai des forces. Bon, vous savez quoi? On va jouer un jeu dangereux. What? Ah non, ça c'est juste les tirs de la salle. Juste parce que j'ai eu de la chance. Oh là là, c'est tellement easy. Enfin, easy. Je me comprends. Hein. Je pensais pas que c'est vraiment easy. Hein. C'est... Ah ouais, par contre, je fais vraiment des dégâts. Hein. C'est pas une blague. Hein. Parce que défoncer pipe comme ça, c'est pas donné. Hein. Donc, à ce que j'ai entendu, il y a 15 rondes en total, en fait. Je pense que c'est vrai, hein, le nombre de boss qu'il y a. Et j'aurai un objet bonus en plus à la fin, donc ça va être nice. On peut pas que je marche dans le caca. Ce boss-là, on l'a pas encore vu, c'est tout à fait normal. C'est impossible. Le viol, le massacre. Lui c'est les chubs. Lui c'est... Non, l'autre c'était... Je sais plus c'est quoi son nom. Alors c'est celui-là que j'étais sur le plus des rampes. Ah non, c'est bon, je suis bien sorti. Très bien sorti. C'est quoi le dernier? Ah, j'ai défoncé pile, d'accord. On s'appelle, on s'envoie un texto. N'importe quoi. Ouais. Mask of Infamy. Et oui, la version évoluée. La version évoluée de Pip. C'est vraiment pas très simple. La preuve, hein. Mais bon, c'est pas grave, je m'en fous, j'ai plein de cœur. Alors, quel objet est-ce que tu vas me donner à la fin? Telle est la question. Ah, flûte, c'est Death. J'avais zappé. J'aime pas ce mot, j'aime pas ce mot. Death. Sur ton balai magique, tu es une petite sorcière. Et là, normalement, c'est pas loin d'être les derniers rounds. Et encore des boss qu'on a pas vu, bien entendu. Samson Chain. Oh non. Non, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je l'ai pris? Pourquoi est-ce que j'ai pris ce bordel? C'est l'horreur, c'est l'horreur, c'est l'horreur cette attaque. C'est d'où j'ai un effet miroir. Ah oui, ça c'est grâce au Taurus. Je sais pas pourquoi, mais c'est grâce au Taurus. Voilà. Bon, on devrait pouvoir gagner facilement, sans encombre. Alors encore plus lock. Hein. Euh,
salle secrète juste ici. Tout plein de bombes. Alors là, du tir double, c'est excellent ça, il me faudrait. Là, je suis obligé de spammer comme un malade, mais... Ok. Ah, bien sûr, ça passe pas de l'autre sens, quoi. Cette attaque trop puissante. Je vois combien d'attaques. Je suis full attaque, là, normalement. À moins que ce soit... C'était juste l'effet. C'était juste l'effet. Je suis pas loin d'être full attaque. On va plutôt prendre ça, oui. Et on va là poser une pour la salle méga secrète qui contient, oh très très bien, deux cœurs spirituels. J'ai failli marcher dedans, enfin voilà quoi. Ah non, c'est pin ça, c'est juste pin. Voilà, très puissant cet item. Ça me fait lâcher une dent de temps en temps, non? Non, pas du tout. Si. Là, c'est un effet miroir. Quand il le veut, cet item peut être vraiment très très fort. Ah d'accord, j'ai bientôt fini le tâche. J'ai pas vu. Vive les dégâts. Toujours plus de dégâts. Les bons dégâts, vous en prendrez bien une couche. Alors, attendez une seconde, je m'en mettais bien mon casque. Conquest, on l'a toujours pas eu d'ailleurs celui-ci. Oula, très dommage. Et voilà, il est mort. Je pense plutôt prendre ça. Très intéressant. Et on descend. Là, normalement, si tout se passe bien, j'ai bien dit, si tout se passe bien, nous avons gagné. Mais bien entendu, tout ne se passe jamais bien. On met toutes mes pièces, enfin le maximum de pièces possible. Si on peut mettre encore les variations, ce serait bien. Très bien. Les trois. Nice! Très très fort. On dirait que je fais du shoot them up. J'espère que vous entendez pas mon clavier parce que je le défonce, mais... Comme pas possible. Non mais je suis idiot, je suis idiot. C'est ça, je suis idiot. Je viens peut-être de gâcher ma seule chance de gagner. En faisant n'importe quoi. Non merci, je préfère voler. Non mais non mais non, bon bah on a perdu, GG. Un galas destruction. Bon bah on a perdu là. Vraiment, je veux juste vous dire qu'on a perdu. Mr. Boom. S'il te plaît, donne. Ah, j'ai plus de pièces, j'ai fait le mongol. Oh, un cœur. Des bombes. Tears down, bien entendu. Liberty cap, pourquoi pas. Range up, ça c'est bien. Je ne sais pas où peut être le boss. Ouais, je spam tellement comme un grand malade, mais j'ai pas le choix. Le boss est bien par là, c'est nice. Du bas de gaz. Souhaitez-moi bonne chance, je vais en avoir besoin. Parce que je vais perdre. Hein. Oh
Bon, c'est pas perdu. Et c'est pas gagné encore. Et là, c'est gagné. Yes! 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 C'était pas simple. Le IPCAC. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout vous abonner à la chaîne. C'était TheStead.htmanHD. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et vive les jeux vidéo.